En tout cas, bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Bonsoir, je connais que nous occupés. C'est jeudi 30 novembre. Dernier jour, mois novembre, non, en fait, c'est fin. C'est période cyclonique, là. Donc, on va avancer là. Est-ce que vous entendez bien? Si vous entendez bien, on va dire si vous entendez bien pour que démarrer. Oui, autant de est-ce que vous bien là? Attendez-moi, bonjour. Comment vous dites bonjour? Attendez-moi, oui. Nous attendez, mes amis. Ok, eh bien, je salue nous depuis la capitale fédérale américaine, Washington DC. Hier, nous n'avons pas de carré parce que nous avons empêché, nous avons un rendez-vous médical, donc nous avons venu, nous avons un petit peu en bas, anesthésie. Donc, je ne peux pas parler vraiment, et donc, ça fait nous pas travailler. Mais quand même, je dis à moi, je tourne, et je tourne avec un pile nouvelle, bonne nouvelle, nouvelle que nous carrément, nouvelle que nous ne carrément, parce qu'on est, ça dépend côté de nous camper, qui ça nous voulait, et bien, nous déraper avec l'actualité. D'abord, on commence avec l'actualité sur le plan international. Israël avec Hamas joint une entente dernière minute pour prolonger et trêve là pour un jour encore. Donc, avec expiré vendredi. Et entre temps, ça permet que les négociateurs continuent à négocier tout pour une libération plus prisonniers avec otages pour libérer. Et puis gagner tout et ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger mourit, monsieur qui a 100 ans. Monsieur est mort à 100 ans et quelques mois. Donc c'est ça nous y est. Et puis l'autre nouvelle qui est capable d'intéresser nous, d'abord, nous parlons de sa capacité dans le Moyen-Orient. Et le secrétaire d'État américain arrivé dans le Moyen-Orient après le sorti dans Macédoine du Nord, que le participer dans une réunion sécurité et coopération en Europe. Et côté États-Unis pour tes soutien de l'organisation. Et gagner tout. Et en fait, après ça, secrétaire d'État, Antony Blinken arrivé en Israël, d'y rencontrer avec le président israélien Isaac, d'y rencontrer tout avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, d'y rencontrer avec l'autorité palestinienne. Donc, pratiquement, il fait plusieurs rencontres là, depuis arrivé, mais c'est une façon, avec objectif pour un qui mesure, il est capable et diminuer ou bien éviter que guerre Hamas, conflit Hamas, Israël ou Hamas, ça pas propagé dans la région Moyen-Orient. Donc, c'est objectif là tout. Et puis, peut-être supporter certainement les États-Unis pour Israël. Moi, même, tantôt, éviter, demander Israël pour s'il a mené attaque encore pour le fond camper, pour éviter, protéger la population civile là. Et permettre que plus assistance civile joue une population dans Gaza, qui n'a gros besoin, parce que d'après toute prédiction, on peut voir que capable de famine, capable de problèmes de santé, on peut pas être capable de vivre. Gogo nouvelle là, nous parlons dans le pays d'Haïti, et bien, je dis à la matin, là, dans l'aéroport international, Port-au-Prince, c'est une grande foule, c'est un paquet de monde, journalistes et supporters, et bien, qui présentent dans l'aéroport, pour accueillir, et ancien leader rebelle, Guy Philippe. Guy Philippe, nous rappelons qu'il était dans la prison aux États-Unis, son affaire drogue, qui a été libéré ça il y a quelques temps, mais qui n'est pas en Haïti, parce que, justement, il n'y a pas d'autorisation pour l'aller. Et en tout cas, d'après OIM, Organisation Mondiale, Organisation Internationale Migration, eh bien, ils ont confirmé qu'effectivement, que monsieur arrivait à bord en avion. Et d'après ça, nous avons cherché, eh bien, l'avion a sorti, et plus ou moins en Louisiane, et bonheur matin, depuis 5h du matin, ben, monsieur arrivé matin là, et avocat lui a confirmé que Guy Philippe était dans l'avion, ou bien non, parmi les passagers, mais d'après la déclaration qu'il a fait, il a dit que pourquoi il y a Guy Philippe dans la main, donc il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de détail. Mais pour nous-mêmes, sous la voie de l'Amérique, pour nous-mêmes, la voie de l'Amérique, effectivement, un responsable dans l'OIM confirmé que monsieur était vraiment effectivement à bord
à bord et avion ça qui portait des déportés qui portait monde que États-Unis déporté en Haïti et parmi eux ancien leader rebelle Guy Philippe qui lui-même était toujours voulu pour le tourner en Haïti, livré pour le tourner en Haïti pour aller continuer servir pays. Donc c'est gros nouvelle là, donc journaliste là, tout le monde attend éventuellement ce qui Philippe à bail et on confirme à parler à la presse nous va connaître. Et pour qu'on y a, bon, monsieur nommé, il t'a deux nommés responsables, que ce soit c'est DCPJ ou bien immigration, que ce soit entité qui concerne dans le moment, mais la police sous place tout pour aller essayer de mettre l'ordre dans les autres, qu'on pas qu'être qui vient en venir avec Mario Guy Philippe Souyo, et qu'a battu bravo, qu'a chanté, etc. Donc ça veut dire que nouvelle du jour, gros nouvelle là, c'est que ancien leader rebelle là, Guy Philippe, qui était dans la prison aux États-Unis, qui était libéré après qu'il ait servi un parti dans la condamnation pour affaire, non, soit bah, trafic de drogue, soit affaire de drogue aux États-Unis, et bien, monsieur Pugin, on parti dans la peine, non? Donc, il dit en principe 85%, donc, monsieur libéré, mais monsieur ICE, donc, et agence d'immigration américaine, t'es Québec, monsieur toujours. Et même là que dans la déclaration de la voix de l'Amérique, il dit qu'il y a tout document pour te retourner, mais tu as marqué certainement autorisation du gouvernement haïtien pour te rentrer. Donc, il y a pratiquement le CT. Et avocat qui t'a parlé sur médias en ligne, mais avocat a confirmé que monsieur là, mais il dit, il n'y a pas qu'on a mis. Donc, son dossier que même Jean Avor ou même Jean Avor, sont de ceux qui n'ont pas suivi tout pour vous. Et très certainement, si vous êtes branché sur la voie de l'Amérique, on va gagner plus de détails parce que nous avons une pile équipe là, parce qu'on a travaillé sur le dossier, à multiplier les contacts pour nous capables de venir avec des informations de première main pour nous dire qui ça qu'on connaît, mais qui j'en sais jusqu'à présent. En tout cas, dans le journal, radio sur télévision à 4 heures, très certainement, Jacques Ebédia est capable probablement venir avec beaucoup plus de détails de ça qu'on a gagné. De dossier si là, nous avons Valérie Saint-Louis dans New York qui penche sur le dossier à tout, Jacqueline Boissy a travaillé sur lui, Gentil Auguste a travaillé, tout le monde a contacté source par nous pour nous justement confirmer qui ça a fait. Est-ce que Guy Philippe, est-ce qu'il a qu'un mille en prison, est-ce qu'il a fait avec, est-ce qu'il a voué la Kaili, en fait, Bayou Barre au clair et suivre la voie de l'Amérique, on va connaître qui ça a fait. Et puis, Nabdou Premier Sahel Henry était dans Riel Vaillant. Hier, quand il dépose un chef de fleurs en faveur des victimes, monde qui était victime, ou bien électeur qui était victime de l'élection, le 29 novembre 1987, là, nous appelons les nègres armés qui semblaient être une bénédiction, l'armée d'Haïti, et monsieur était attaqué, électeur, il était plus sûr, une vingtaine de monde qui était mort, et chaque fois des monde qui était blessé, monsieur n'est pas mieux, était un caméraman dominicain, tout, qui était sur place, tout, et qui était mort. Ça a gagné, pratiquement, une trentaine d'années. Ça a gagné, pratiquement, une trentaine d'années. Donc, c'est ça, nous gagnons. Donc, ces nouvelles, ça a gagné, et puis, pendant que nous avons pris jouer, il y a une sélection nationale de football féminin haïtien, et Grenadier, qui sont participés dans la Coupe du Monde Australie et Nouvelle-Zélande, là. Mais mesdames, j'ai rendez-vous avec l'histoire à soir. Là, à bas côté avec Costa Rica, Massab, joué dans Costa Rica, bien dans ce stade-là. Mais c'est pas dans San José, c'est dans l'autre stade, Massab, joué en jeu à Haïti, besoin de nul. Pour les gon qualification direct pour première édition Coupe de CONCACAF là cap déroulé ici aux États-Unis. Donc alors un peu nous te dit et si Haïti perdit beaucoup éliminé parce que normalement l'a gain droit pour ta jouer match de barrage, je crois que Salvador déjà pays qui gain qualifié pour match de barrage ça. Donc et puis n'a pas parlé pour Coupe de CONCACAF là gain 4 ou 6 pays dans Comebol, ça sont entente que Comebol joue avec CONCACAF, qui au même temps a bien participé dans la première édition Coupe de CONCACAF, là, tout, qui s'est invité spécial. Donc, je crois qu'elle a fait avec 16 pays, éventuellement 12 pays CONCACAF, là, cap là. Et puis, il y a 4 pays, et cap sorti dans Comebol, et cap vient participer dans la compétition sous invitation et spécial. Donc, dossier du jour. N'a pas su pour ce dossier Guy Philippe, là. N'a pas su développement son sujet qui, en développement, nous va connaître, nous avons besoin de connaître qui réaction, par exemple, dans la caille, monsieur, dans Pestel.
dans le département Grand Nord, sans que les réactions de la population gagnent tout. Là, on attendait que, en fait, les réactions, là, on attendait que M. était libéré, mais libération n'a pas de fait parce que, il était mettre M. by ICE, et c'est l'agence d'immigration américaine, et bien, qui était, pour te déporter monsieur. En fait, d'après le journal Amiral, Guy Philippe s'est déporté, les États-Unis déporté en Haïti, même si avec un autre groupe de monde qui était dans le même avion, ça, avec lui. En fait, il était déjà, une tentative qui était faite. Mais on te dit que il n'y a pas de cavoir à ça, il était empêché de Kimbel, eh bien. Et, dernier condition, fait qu'on est, M. Guerre est arrivé, il est allé en Louisiane avec elle. Donc, matin, bonjour, M. pas être en Louisiane, et M. prend le premier avion que les États-Unis aient frété, qui pour mener un groupe Mounsa revenir en Haïti, et parmi eux, là, dans le gang Philippe. Nous, nous confirmons avoir, d'après ça, OIM, c'est Organisation Internationale Migration, dit nous, dit la voix de l'Amérique que dit confirmer que monsieur là mais pas gain détail non pas aucun détail et ça c'est migration et puis avocat yo parle tout yo dit que oui monsieur là yo pas bail détail tout yo dit que monsieur là mais monsieur beaucoup non mais physiquement donc pour pas dire rien donc nous pas gain trop détail on pas ca bon trop détail que nous pas gain en tout cas c'est ça la nouvelle là et m'a salé nous m'espère que on passe une bonne journée. Accompagne la voix de l'Amérique, était branché sur toutes les plateformes nous yo côté n'a pas connait plus de détails plus bail qu'a fait ici tantôt non pas oublier dossier Israël Hamas là il y a un gros effort qu'a fait là actuellement pour essayer d'avoir un trêve permanent mais en attendant quelques heures de temps avant trêve là avant 6 jours de trêve là gain ben deux parties d'accord pour ajouter un autre jour sous dit qu'a permettre que négociateur américain égyptien avec Qatar continue les négociations pour être sur le cas une très plus longue et puis tout libération plus prisonniers palestiniens. Entre temps que nous allons rapporter tout, il y a plusieurs clés frappées qui fait entre Israël avec Hamas, il y a des gens qui sont victimes même de attaques syllabes. Bon après-midi tout le monde. Bien content de faire un petit parler avec nous là, je dis. Content en pile. Pareil. Parlez bien. Donc, pas oublier. Suivez la voix d'Amérique Abundia pour qu'on pile dernière information sur ce qui passe exactement dans Port-au-Prince dans le moment où l'avion vini à bol qui a transporté des mondes que les États-Unis déportés et parmi eux, il y a un déporté aussi important pour et reconnu, c'est ancien leader rebelle Guy Philippe qui lui-même que les États-Unis t'a arrêté après le définir lui comme sénateur grandance. Eh bien, les États-Unis étaient prêts, monsieur était venu avec aux États-Unis, monsieur était plaidé coupable pour participation à la facilité que doit rentrer aux États-Unis, monsieur était condamné, et bien, monsieur pugé 45% de peine, eh bien, autorité libérée, lui était mettre par ICE, et ICE lui-même, il faut premier tentative pour le déporter lui, mais pas d'autorisation pour le venir, et qu'on y a, je dis, l'État semblait que, et ça arrivait fait, donc, d'après ça, avocat dit, d'après ça, OIM dit la voix de l'Amérique, d'après ça, avocat dit, dans les médias sociaux, eh bien, avocat qui là, mais il dit que Guy Philippe, sous place, mais il peut qu'on nomme un nom, qui m'a parlé avec nous, peut-être plus tard, n'a pas qu'on ait plus de détails encore, qui ça exactement qu'a bien. Et, la voix de l'Amérique, c'est tellement, ma chèque, si nous avons même fait une entrevue avec Guy Philippe pour le tabane. Plus de détails sur l'objectif, qui ça va faire qu'on y a là, etc. Ancien sénateur, en fait, ancien sénateur Gredas. Bye bye tout le monde. Bye bye comme dit. Bye bye. N'a pas aller.